Bonjour à tous. Sur cette vidéo, je vais vous présenter la Gemini by Crafters Companion. Donc, c'est un appareil qui va vous permettre de réaliser de la découpe de tissu, de papier, mais également de réaliser de l'embossage. Alors, l'avantage de cette machine, c'est qu'au niveau découpe tissu et papier, vous avez la possibilité de faire plusieurs couches en même temps. Donc ça, c'est vraiment bien pratique. On peut avoir des formes simples ou un peu plus complexes. On voit par exemple ici, donc ici on ne sait pas réaliser soi-même ces gabarits. Ce sont des disques, des motifs en métal qui sont vendus. Il y en a certains qui sont déjà dans la boîte et qu'on sait avoir aussi en plus. Donc ça, c'est un motif qui est directement inclus dans la machine en bonus. Il y a également, par exemple, pour faire de l'embossage. Voilà. Oups. Il y a pas mal de différents motifs qui existent. Et il y en a des dizaines d'autres de disponibles. Donc, pour réaliser de la découpe sur tissu, sur papier, ou même faire éventuellement de l'embossage sur du cuir, du simili-cuir, ça pourrait également fonctionner. Alors cette machine, en fait, elle va, on va empiler différentes couches, ces différentes plaques, avec le tissu ou le papier qu'on veut couper ou embosser. Et on va passer dans la machine et ça va écraser ces différentes couches, les presser pour obtenir le travail qu'on veut, donc l'embossage ou la découpe. Alors au niveau des plaques qui sont fournies avec, donc ce sont des plaques qu'on sait également racheter séparément. Donc vous avez deux plaques en plexi qui sont généralement les plaques extérieures. Vous avez une plaque métal, une plaque plastique souple, une plaque aimantée, donc ça sera utile pour les différents motifs en métal, et une plaque en caoutchouc. Donc toutes ces plaques ne sont pas utilisées à chaque fois, en fonction de ce que vous voulez réaliser, en fonction de ce que vous voulez couper. C'est pour ça que le mode d'emploi est fort utile. Moi, personnellement, je ne connais pas encore toutes les possibilités, toutes les différentes couches en fonction de ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est fort utile, c'est vraiment très bien expliqué. Donc vous avez par exemple le découpage d'emporte-pièces en métal, donc avec une seule couche de tissu. Vous pouvez également avoir des découpes avec des emporte-pièces plus complexes. Donc ici, comme on peut le voir, hein, on a des emporte-pièces qui sont plus complexes. Et on va vraiment avoir le descriptif de chaque couche, quelle plaque il faut utiliser, quelle cale il faut utiliser. Alors on sait également faire de la découpe multiple de tissus. Donc ici, ils mettent quand même 6 couches de tissu. En fonction de votre tissu, vous pourrez peut-être mettre plus. Évidemment, si vous mettez du coton, ben là, vous pourrez aller sur plus d'épaisseur. Si vous passez sur du simili-cuir, du cuir, ça va réduire l'épaisseur. Alors, vous avez différentes possibilités de gaufrage, donc d'embossage, en 3D ou pas. Donc, il y a pas mal de possibilités et c'est très bien expliqué comment vous devez mettre les couches. Alors, on va allumer la machine. Donc là, c'est très simple. Il y a uniquement 3 boutons sur la machine. Pour l'allumer, pour la mettre en pause ou la mettre en route, et pour que la plaque revienne vers l'avant ou si vous voulez faire plusieurs passages, c'est possible avec cette fonction-ci. Alors ici, moi je vais vous montrer comment découper plusieurs couches de tissu. Donc j'ai mis plusieurs couches, ici c'est un coton, c'est du calico. C'est quand même un tissu assez épais, et j'ai mis 4 couches. Donc je vais me baser sur profondeur en porte-pièce pour matériaux multiples. Et donc, il m'indique ici qu'il faut la plaque de découpe transparente. Donc, je vais reculer la machine. Et on va prendre la plaque de découpe transparente. Il demande ensuite de mettre la cale en plastique. Cette partie-ci. Puis de mettre l'emporte-pièce. Voilà, avec la lame vers le haut. De mettre ensuite le matériau à découper. Je vais mettre un peu plus. Voilà. Et de terminer avec la plaque de découpe transparente. Donc, ceci.
Voilà. Donc vous avez une sorte de sandwich. Donc il faut bien suivre ce qui est indiqué. Et donc maintenant, on va le passer dans la machine. Alors vous inquiétez pas, ça fait du bruit, mais c'est tout à fait normal. Donc ici, on serre bien. Voilà, on entend que les plaques craquent, mais c'est tout à fait normal. Voilà, elle va passer entièrement à travers la machine. Et donc ici, je peux retirer mes morceaux de tissu qui sont parfaitement découpés. Alors c'est tout à fait normal que vous vous retrouviez avec des marques. Petit à petit, ces plaques-ci vont être marquées, vont être un peu plus abîmées, voire légèrement ondulées. Mais vous pouvez les utiliser jusqu'à ce que ça pose problème pour l'entrée dans la machine ou que ça pose des soucis au niveau des motifs. Et ça se rechange, donc ça existe uniquement donc, pour les acheter séparément. Donc ça, c'est tout à fait possible. Pour vous montrer un peu le résultat qu'on peut obtenir sur du papier avec des découpes un peu plus complexes. Voilà, donc ça c'est vraiment la découpe est parfaite hein, et c'est très vite réalisé. Et ici, à l'aide de ce gabarit-ci, on peut réaliser de l'embossage. Voilà, donc comme ça, vous voyez un peu comment fonctionne donc la Gemini. Donc très facile d'utilisation et plein de possibilités au niveau des motifs. On a par exemple ici, ça c'est un motif qui se vend à n'importe-pièce qui se vend à part et qui permettrait par exemple de couper dans du simili-cuir ou dans du liège et de réaliser une petite pochette ou un sac. Voilà, donc vous retrouverez la machine sur notre site. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires ici en dessous ou à nous contacter sur info@stecker.be ou par téléphone. Donc notre site, je vous le rappelle, c'est www.stecker.be. Bonne journée à tous!